Bonjour à toutes et à tous, c'est Martial 91 EC. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo de Bus Simulator 21. Donc aujourd'hui, comme je vais commencer mon service, car la veille hier, j'ai créé une nouvelle ligne, la ligne numéro 13. Donc là, ce sera ma première vidéo sur cette nouvelle ligne. Avec tel bus? Ça sera un bus Sur électrique. la bus. Bon, Et en qu'est-ce plus, que je prends? ça c'est bien parce que, au moins, c'est bien pour l'écologie, même si de base, il n'y a rien Oui. d'écologique là-dedans. Alors, le 7900 Volvo électrique, je commencerai par celui-là. Putain, j'hésite entre le Volvo et le Ebusco. Ouais, je prends. Moi, j'hésite entre le Thunder et la Grande. Burger King? Non, Bucket. Out for a drive on a nice day like this, eh? Ah, moi c'est Bucket, mais pleinement à 1000%. Oh, c'est tellement bon. Ah, je vois ça. Ah, mais dis-toi, la viande, j'ai galéré dans un four à tarte. Donc voilà, je vous montre l'intérieur du bus. Les places assises au fond. Donc là, comme vous voyez, c'est les places prioritaires. Personnes âgées, femmes enceintes, personnes handicapées. Voilà. Là aussi. Et là, comme vous voyez, c'est les places pour les poussettes et les fauteuils roulants aussi. Donc c'est parti. Je vais commencer le service. Limiteur de vitesse. Ligne 13. Voilà. Alors, combien de communes a désert cette ligne, cette fameuse ligne? Alors, Schafferfield, Westfield. Ah ouais, et puis quoi? Sandstern. Voilà. Là, nous croisons l'Urban Way. Ah, en fait, Gab, tu l'as vu la vidéo que j'ai faite là, à 2 GTA? J'ai vu ça ce matin. Là où tu as dit qu'on était des démarcheurs là. Ouais, la dernière vidéo, j'ai vu. Je suis content, j'ai à manger pour aujourd'hui, demain midi et le soir. Ah, je suis content là. Là, comme vous voyez, là, j'ai fait ma sortie de dépôt. Ah, là, nous croisons l'Urban Way articulé, là. Là, je me rends à l'arrêt du terminus pour commencer le service voyageur. Mais par contre, il y a des gens qui comprennent pas que je suis pas sur Snap. Ah bon? Ben, Snap, j'y suis jamais. J'ai plus de 200 trucs à ouvrir. Iveco en mode articulé, faudrait que je fasse circuit un jour.
Allez, ça commence bien. Voiture qui n'avance pas. Alors que le feu est vert. Là, nous sommes à Linder Harley. Là, comme vous voyez, belle résidence ici, avec les habitations. Moi, je trouve ça me voit plutôt sympa. Oh, it's such a nice day. Bon, auparavant, quand je jouais à ce jeu, cette arène n'a jamais été desservie par aucune ligne. Par une ligne. I like the new bus a lot. Excuse me, I have a question River regarding Promenade. This room. Non. J'y vais pas. I need a ticket. C'est la ligne 6. Thanks. Voilà le chef-d'œuvre. Oui. Et si je reviens après les gars. Sharp Escape. Tranquille. Moi oui, tranquille, posé quoi. Parce qu'on sait qu'il y a tellement pire. Oui. Hey. Luckily, Sunday's coming. Mais bon, là pour aujourd'hui, on va rester dans le positif quand même. Mais c'est le but. Ouais. Ah mais je t'ai demandé si au niveau du taf ça a été bon. Ouais, ça a été bon, la routine quand même, rien de particulier. Beaucoup de commerce ici. Hein. De toute façon, il y a pire. Oui, il y a pire. De toute façon, il y aura des jours meilleurs. Dis-toi qu'il y aura des jours meilleurs. Quoi. Car chaque jour ne se ressemble pas. Quoi. Oh, attends, quand tu travailles dans une banque, chaque jour se ressemble. Ah oui, avec les papiers et tout. Ça... Tu passes ton temps dans un bureau, là. Ah non, les bureaux avec les chiffres, les lettres, ça fait mal à la tête déjà. Mais le métier, les métiers de transport en commun, conducteur de bus, de train, de métro, chaque jour ne se ressemble pas, c'est l'aventure tous les jours parce que c'est pas les mêmes voyageurs quoi. Il y a des bons voyageurs, des mauvais voyageurs quoi. Il y a beaucoup plus de mauvais que de bons. Hein. Ah oui, oui, oui. Malheureusement. On peut rien faire, mais c'est comme ça.
Je sais pas, il fait quoi le mec là avec moi? Est-ce qu'il la touche ou quoi? Ah, je peux genre des fois je me pose des questions avec certaines personnes. Le mec il lance une mission, il est avec moi, mais je suis tout seul à la faire. Ah. Des fois. Ouais, des fois il y a de quoi se poser des questions. Et faut pas chercher à comprendre. C'est pénible. Secousse. Là, veuillez admirer le fameux rond-point là. Vu que c'est la première fois que je passe sur ce rond-point dans cet endroit là. Là, nous rentrons dans la commune de Westfield. Eh hey, gars, n'oublie pas demain le fameux match hein. Oh, on n'est pas encore demain hein. Oui. Mais tu sais, les jours arrivent vite. Hein. On n'est pas encore demain. Donc là, comme vous pouvez le constater, messieurs, messieurs dames, veuillez admirer la forêt là. Je vais faire allusion à la forêt de Fontainebleau. Si... Oula, les secousses. Hein. La forêt qui ressort à Fontainebleau, parce que. Ah oui. C'est un peu loin de Fontainebleau là. Ah oui. Excusez-moi pour le terme. Ah ben là, qu'est-ce que le prochain arrêt c'est quoi? Gulfstream Grammar School. Ah. Là, comme vous pouvez le voir, nous passons devant un établissement scolaire. Avec les élèves que nous venons de voir aussi. Ah, un bus scolaire. Monsieur dame, bonjour. Putain, le mec il peut pas protéger le champ. Là pour les propriétaires de cette maison là, bon, ça m'a l'air d'être un restaurant. Mais... Donc tous ceux qui aiment manger restaurant, tous ceux qui... Je vous conseille de descendre à cet arrêt. Voilà. Vu que c'est un beau restaurant avec une belle terrasse. Plutôt sympa, allez, je vous conseille ce restaurant. Mais bon, je vais pas vous conseiller forcément celui-là. Il y en a plusieurs dans la map de Bus Simulator.
Oula. Là, je suppose que vous connaissez ce chemin. Ce chemin-là, je passe là avec la ligne 2, la ligne qui va à l'aéroport aussi. Et aussi avec la ligne 5 et la ligne 8. Bonjour monsieur, bonjour collègue, j'ai croisé un bus à accordéon là, c'est le 180, en plus gars je l'ai pris il n'y a pas longtemps le 180 en plus. Ah oui pour aller chez Maxime. Il a déjà perdu le... Il a déjà perdu. Mais Gabriel, c'était inattendu, hein. J'avais mis ma chemise en mode scorpion, j'avais pas de pub aujourd'hui, j'avais pas la tête ce matin, je me suis dit, moi j'avais pas la tête à faire des rencontres et tout, mais je me suis dit, ah ben tiens, je vais me mettre en mode normal. Et là, comme oui, je... Oui. Bonjour collègue. Ah ben dis donc. Tous les bus du monde.
Là, venez admirer cette ville de campagne. Là, comme vous pouvez le voir, là, on a l'impression de partir en vacances, quoi. Donc, tous ceux qui aiment partir en les vacances, je vous conseille de loger dans ce, de partir dans cet endroit. Ah ben tiens, justement. Pour les gens évidemment qui jouent. Oui, voilà. Un service scolaire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un service scolaire derrière cet arrêt là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montent, ils montent pas. Ah. Effectivement, il fallait que j'attende qu'il se barre. Oh, gars, parce qu'il y avait un bus scolaire là devant là. Ils m'empêchaient de prendre, de décharger ou charger les passagers, quoi. Ah, c'est ça les correspondances. Hein. Et de toute façon, je vais faire la vidéo. Là, je fais la vidéo et tu, de toute façon, tu me diras ce que tu en penses, hein, de l'itinéraire. Tu as des endroits que ouais, tu vas regarder, tu regarderas, mais tu c'est sûr qu'il y a des endroits que tu vas reconnaître. Yo. Allez, c'est fini. Yo, la meuf, ça va tranquille. Ça boum. Ouais, en plus, elle est crado. En plus. Ah bah le transsexuel est. Ah, ça c'est ça, ben. Incroyable. Ils viennent de se décrire en deux secondes. D'accord. Tu viens de te décrire en deux secondes. Non, non, non. Le faire. Non, non, non. En plus, je suis en vidéo en plus. C'est signé, hein. C'est signé en plus. Hein. Merde. Ouais, ouais, attends, c'est pour ça que je dis attention, avertissement. On appelle ça être en roue libre. Ouais, non, non, mais. Pourtant, je vous avais averti. Et c'est si. Ouais, mais. Non, mais. Et bon, mais il y a c'est... Non, c'est pas méchant, mais au contraire. Ouais, je sais, t'inquiète. Mais là, tu t'es fait un ton propre dossier, là, tu t'es fait une belle réputation, là, malgré ça. Ah, non, non, et non, sur non, ma non, chaîne, non. En plus. D'accord. Domination par quoi? Domination, hardcore bébé. Je t'aime mon amour. Ouais, en parlant de la console. Oula. Oui, parce qu'il est amoureux de sa console. Il y en a en tout celui-là. Oh Gab. Oh Gab, tu sais, mais. Wesh. Non, ça me dérange. Que t'es un trou du cul. C'est quoi ces piétons là? T'en es un aussi, ce que je sache. Quoi? Vas-y. Là, veuillez admirer les hôtels. Là, nous arrivons à Kala Road, terminus de la ligne. Il y a un dicton qui dit le lion s'associe pas plus qu'à ça. Donc pour tous ceux. Bon, pour tous ceux qui aiment. Ouais. Donc, ce que je veux vous dire, tous ceux qui aiment partir en vacances en amoureux ou en couple ou en famille, surtout des coups, si vous êtes marié ou avec des, avec à des votre enfants. Console. Et ouais. Votre console. Merci. Je vous conseille de partir, je vous conseille de vous reposer dans à cet endroit, de passer le bon séjour dans les maisons que vous voyez là. Avec le petit copain Agave. En tout cas, je. Non, moi je m'appelle Jean-Marie. Sauf si vous êtes gay. Comme ça. On a un qui est intéressé. On a un qui. Non, on a un qui est intéressé qui s'appelle Gab. Oh là là. Non. Des dossiers. Ouais, j'arrive les gars, deux minutes.
Seb, il est très très intéressé. Il est très intéressé, Gab. Il est très calé sur le sujet. Et que Gab, là, mais qu'il a rendez-vous et avec son petit chéri demain. Quelle chérie, ma chérie, c'est ma play. Moi, tant que j'ai pas de meuf, ma chérie, c'est ma play. Et c'est sûr, parce qu'elle me trompe pas. Elle est là, matin, midi et soir. Ouais. Ça. Oh, il pleut. Pas de chance. C'est bien, ça. Ouais. Bon, tant que c'est sous en mode jeu vidéo, là. Hardcore. Allez. Le prochain bus, il vient dans... Ah, 8 minutes. Allez, je vais démarrer. Regardez la vue, comment c'est magnifique. Belle terrasse, restaurant familial. Oui, t'inquiète. Non, en fait, Amand a mis la machine à laver. Le truc s'appelle Abri. Mais Abri, c'est plus bordel de nuit. Abri ? J'ai déjà le bordel de nuit. Comme abri, ouais, un abribus. Ouais, comme un abribus, ouais. Ouais, c'est comme ça, l'abri mais est... Ça, c'est une mission, ça s'appelle comme ça. Ouais, là. Sinon tu fais quoi de beau? De quoi tu bouffes? Ah, tu dis ça, hein. Oh, Seigneur, mon Seigneur, Marie-Joseph. Oh, le bus, il va dans mon chemin. Seb, des fois, je me pose des vraies questions. T'aimes bien tout ce qui est tendu? Les nerfs sont tendus. Non, ça, lui, il aime bien les muscles tendus. Là, voici l'église que vous venez de voir. Pour tous ceux qui croient en Dieu, je vous conseille, tous ceux qui sont dans la prière, je vous recommande cette église. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, bah, commencez tout de suite. Parce que, ça peut vous aider. Oui. Parce que ça veut dire que vous êtes complètement démoniaque. Ah bon Seigneur, Marie-Joseph. Sainte Marie-Joseph. Ah non, mais moi le truc qui m'avait fumé, c'était la meuf là, avec qu'elle a dit Jésus de Nazareth. Ah oui, avec l'accident qu'il y a eu à Choisir le Roi, là, le train là, qui a failli faucher la voiture. Ah non, ça c'était hardcore. Oh, c'est Jésus de Nazareth. Oh, bah, moi j'ai cru que j'allais pisser, j'ai dans mon froc, moi. Elle a crié, Jésus de Nazareth, le train, Jésus. Ah, oh, j'ai cru que j'allais chier dans mon froc, moi. Ah non, mais j'en ai rigolé pendant 3 jours. Y a de quoi rigoler, hein. Moi, c'est plus que 3 jours, hein. C'est 4 jours. Ou plus, moi. Désolé, madame, si vous regardez la vidéo, mais vous étiez trop marrant. Ah oui, en plus, en plus, tu sais, regarde la vidéo, en plus, tu es en train de l'afficher, là, mais bon. Non, mais vous étiez trop marrant, c'était incroyable. Jésus de Nazareth, ah j'oublierai jamais, là, c'est signé. C'est enregistré dans le disque dur, quoi. Disque dur, mon cerveau, ah oui, bien sûr, c'était hardcore. C'était excellent. Ah, bien sûr. C'est bien d'être bon croyant, mais là c'est trop. Oui. Y a pas de souci, hein. On a rien contre ça, mais. What the fuck? Je vais mourir. Je viens de tomber bêtement là. Non. Oh. Putain, je me suis bien mêlé comme un. Comme du n'importe quoi là. Pourquoi ma faute? J'ai le nom d'un nom. Ça. Bonjour collègue. J'ai un nom biblique. Ça fait pas de ma faute. J'ai un nom biblique. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute, à moi. À Lolita.
Ah mais c'est vrai que toi aussi t'as un nom biblique aussi faible, mais t'es pas un saint. Lieu saint. Non non, en fait c'est pas un saint du tout. C'est une sacrée fraude. Jésus non, de Nazareth. Oh putain. Et rien que ça met dans la tête là. Oh, je sais pas pourquoi mais. Non mais j'en suis sûr certain. Jésus il aurait été à côté de nous là, il aurait pris retraite. Il dit, ah j'avoue. Il dit c'est bon, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi? C'est quoi ton problème? Ouais, c'est ça. Ah. Alors la meuf il regarde la vidéo là, oh là elle va se dire. J'aurais jamais dû. Hein. J'aurais pas aimé voir sa tête aussi. Désolé madame, je sais aussi si vous regardez ma vidéo. Ouais, mais après je pense pas qu'elle aimerait du GTA. Ah mais tu sais, on sait jamais. Hein. Mmh. Bon, lui il va tourner. Je sais pas s'il va tourner. Non mais c'était trop drôle. En plus, le truc était bâtard, c'est la personne qui a fait le TikTok. C'est même pas moi. Ah oui, en plus machin. La personne qui a fait le TikTok est vraiment un sacré bâtard. Ah oui, en plus. Ouais, en plus, il a filmé, ouais. C'est lui qui a fait que... C'est lui qui a affiché la dame. Ah, en plus. Jésus de Nazareth. Ah oh là là. Non mais, quelle idée d'exposer ta croyance hein, dans les réseaux sociaux. Il y en a, ils le font très bien et... Oui mais ça leur fait ni chaud ni froid. Non mais il y en a, ils le font très très bien et... Oui. Oui, je viens de me faire one touch. Il m'a fouetté. Il t'a fouetté hein. Ah non, il m'a fouetté. Eh ben, t'as jamais vu le TikTok avec, ah. Avec le gars qui courait là. Des fois je te les envoie les TikTok, tu ouais, les regardes. Ouais, j'ai vu. Ah. C'est pour ça que t'as pas la référence. Ouais. C'est un Camerounais justement, il course des gars dans une cité et le gars il s'arrête et dit il m'a punté. Parce qu'il il s'est fait. Comment j'ai plus de vie là. Par contre les mobs, donnez-moi de la life. Oh putain. Bonjour les mini-moys. Ah y'a des enfants. Ça, je me fais anti-sonné. Ah mais moi je me prends des one tap là. Oh putain. On va toucher Gab, on va boire l'apéro. Hey Gab, à vite. Arrive pas à 23h et si je repars à 23h30. Ouais, c'est... Pour le moment... Ah là là... Oh Jésus de Nazareth... Eh, c'est sûr que les gens qui habitent à Choisy-le-Roi là, à côté de la gare, ils doivent en parler, hein. Moi, je pense pas. Je pense qu'ils s'en battent un peu. Alors, c'est surtout le gars qui l'a affiché, comme tu dis, le gars qui l'a affiché sur TikTok, là, qui l'a filmé. Oh là là. Ah, la meuf, moi, à sa place, je serais mal. Ah non, mais à sa place, je me serais caché. Ah, j'ai plus caché et je serais mal, moi. Aïe, le train, Jésus de Nazareth. Ah, il y a le quoi se faire petit, hein, comme ce qu'elle a fait. Alors, est-ce que j'ai récupéré ce que j'avais besoin? J'ai pas plus l'impression en fait.
Non, mais t'es surpris, tu dis, mais attends, mais comment il est. Il était même pas là, comment il fait que. Des informations comme ça là. Bien sûr. Je l'ai dit, moi dans le travail, j'ai des oreilles parties. Bien sûr qu'il m'envoie un message, mais je ne peux pas répondre. Je peux pas répondre. Il y a le boss. On sait vite ça va. Ça sonne tout ce que dire. Dormir de la journée aujourd'hui, je vais pas dormir demain. Je dormirai que le soir après le match. Je vais rentrer dans un état demain soir. Oh là. Okay. Dans un état de quoi dans un état où on aura l'impression que t'es bourré. Ah ouais, dans un état second. Bah, pourri, bah, alcool plus la fatigue. Ah, mais ça, c'est pas bien, ça, c'est. Mmh. Ça, c'est vrai. Ça, c'est. Ne suivez pas ça, non, je sais pas. Ouais, bah, parfait. C'est pas un. C'est pas un. C'est pas un jeu. Ah, mais. C'est pas un exemple, ça. Ouais, je sais. Pas c'est une prévention sur la vidéo. Ah, Andy là du coup bah ouais bah on se rejoint à 11h là-bas directement. Je sais pas. Ah je me suis dit moi je. Donc les gars ouais. Un effort Ouais. Ah, mais les gars en fait, ils veulent que le boss il se régène mais je viens de mourir. Il vient de me dégoûter. Ah, de me dégoûter. Je serai de bonheur. T'inquiète pas, je serai préparé de bonheur. Je serai levé de bonheur. Je serai levé à 7h du matin pour déjeuner. Non, en fait, lui, là, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Il va faire beau ce week-end en plus, là. Ah ouais. Il va faire chaud. Ah ouais. Chaud, chaud, chocolat. Chaud, chaud. Il va faire chaud pour Gab. Il aime bien la chaleur, Gab. Ah non, c'est la bête noire. Ouais. Toutes les fois il y avait de la chaleur, Marseille peut te le dire, j'étais en PLS. Ouais, ouais, si c'est vrai. Hein. Je sais, t'inquiète. Déjà à la pharmacie, hein, c'était. Ah, un enfer. Ah, crois-moi que les pharmaciennes, elles étaient affolées en plus. Hein. 21 degrés pour samedi. Ça va. En non, vrai, ça va. Moi, j'en préfère un peu plus au moins et pour. Non, et, bah, non, et, non. Et pour bronzer, non, mais moi, 24. Oui, t'as raison. 24, ça va, ça reste raisonnable, c'est pas trop chaud encore. Que dalle, mais je viens de mourir. Mais je. Non, mais je suis au sol là. Je viens de mourir. Là. Bah, du coup, bah. Samedi matin 11h, on se rejoint là-bas. C'est bien ça. Ouais. C'est là où tu vois que c'est un. Rien du tout. Rien du tout. Non mais Gab. 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 Non mais Gab. 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 Non mais maintenant quand je rencontre quelqu'un. Ouais. Vas-y. On se donne rendez-vous à un endroit. Mais je pars pas à l'endroit indiqué, je préfère me mettre en face, dans la rue en face, et pour regarder si la personne, c'est vraiment la bien, la même personne que je parle. Parce que des fois. Si la personne est identique, quoi. Ouais, bah oui. Non.
c'est bien. Ça, c'est ce qu'ils appellent les faux profils quand il y a, c'est un doute. Mais ouais, mais regarde, ben, je préfère faire comme ça, mettre en face. Je regarde, au pire, si je me mets, je m'assois à la terrasse à un café, je regarde et on va voir. Non, mais c'est pour ça que quand j'arrive à un rendez-vous, je préfère arriver un peu avant. J'ai quelques minutes au moins avant la personne, au moins c'est sûr. Mais si je vois que la personne n'est pas là au bout d'une demi-heure, si je me casse. Je lui dis, j'avais une envie de chier, mais furax. Non. Là, tu te fais un dossier, Gabriel, pour la vidéo. Là, tu te fais un dossier. Hein. Non mais ça m'est déjà arrivé. Non mais ça m'était déjà arrivé à un date. J'avais tellement une envie de chier furax. Mec, j'ai tenu. J'ai tenu de ouf. Je parie qu'à destination, ça a dû exploser. Tu en rentrant aux toilettes. T'as dû faire une lancer une bombe. Ah non mais je suis arrivé chez moi, ma mère elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? Ben, moi je lui dis j'étais censé être allé voir une copine et finalement je suis allé voir mes toilettes. Ça n'a aucun sens. Ah ça. Bon, évidemment, dans la vidéo, ça n'a aucun rapport avec le bus. Hein. Oui. Non, mais pour mieux, au moins, c'est bien de détendre l'atmosphère aussi, de faire rigoler les téléspectateurs quand même. Ah, même si c'est pas en rapport avec la RATP ou la SNCF et tout. Ah non, mais avoir un date comme ça, ouais. Ça va être compliqué. Là, j'ai réussi à le faire avec un niveau 18. Là, ça va être compliqué. Allez, voilà. Nous arrivons au terminus de la ligne. Terminus. Et bien, voilà, les amis. C'est sur cette image que nous allons nous quitter sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à mettre un pouce bleu. Ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Et comme dit justement, faut rigoler, sinon vous allez avoir des matelas. Ouais. il y en a, il a la rêve. Ouais. Allez. Ciao, ciao. Les dombés, justement. Ciao, ciao.